Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners or renters coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance, and more, and Geico is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. This week at Macy's, get set for back to school with 30% off the latest trends and classic jeans from Levi's. Or use your coupon or Macy's card and get an extra 20% off dresses and already great deals like 20% off backpacks and handbags. Plus, Macy's Star Rewards members earn on every purchase except gift cards, services, and fees. See Macy's.com/Star Rewards. Savings off regular sale and clearance prices. Exclusions apply. Vous écoutez RMC. On va tout de suite passer à la vie tranchée de Simone et Robert. RMC. L'After Foot. Et Simone, évidemment, s'est posé cette question. On observe tous le mercato de cette équipe de Rennes avec des départs importants. Naïf Aguerd en défense centrale, par exemple, avec une seule recrue pour le moment, à savoir Steve Mandanda. Un mercato qui patine un petit peu pour l'instant. Et l'inquiétude de Simone Rovira, c'est son avis tranché. Ciao, buonasera, bonsoir. C'est qui ça? C'est la femme à Lionel Charbonnier, je crois. D'accord. On l'embrasse. On embrasse Lionel Charbonnet surtout. C'est les femmes. On embrasse toutes les femmes. Et on embrasse toutes les femmes et on embrasse tous les Lionel. Voilà, comme ça c'est fait. Simone, on t'écoute sur ce mercato, René. Alors, c'est un peu étonnant ce qui est en train de passer pour moi à Marseille. À Marseille, à Rennes, je vois Romain Canouti, je pense à Marseille. Donc, ce qui passe à Rennes, parce que les dossiers étaient clairs. Les dossiers étaient clairs depuis janvier. C'est-à-dire, le départ de Naïf Aguerd était acté depuis janvier au moins. On savait tous qu'il allait partir. On savait tous qu'il allait partir pour un prix conséquent. On savait tous que en été, la priorité aurait été remplacer cette défenseur axe gauche. Je peux bien comprendre qu'en début de mercato, on cherche la pépite rare, c'est-à-dire les gauchers axe gauche qui soient expérimentés avec des jeux de la qualité, qui a joué l'Europe, ok. Après, j'ai l'impression qu'à Rennes, on s'était pas préparé à avoir un plan B, un plan C plus sûr pour arriver avec, au début de la saison, au début de la pré-saison, avec les joueurs déjà prêts pour remplacer Aguerd. Aguerd allait partir, on le savait. Il n'y avait pas un discours, si on achète déjà les défenseurs, on les vend moins cher et on va faire une erreur dans la stratégie mercato. Ça, c'est notre discours. Non, c'était un départ tellement simple à faire qu'il n'y avait pas besoin de se poser des questions. Les problèmes, c'est qu'au mois de janvier, on savait aussi que Rennes cherchait un autre défenseur. C'est-à-dire, pendant la saison, il cherchait un autre défenseur au mois de janvier. Donc, plus de départ d'Aguerd, ça fait deux. On le savait déjà. On se retrouve aujourd'hui avec la blessure d'Omrani à être dans une difficulté énorme sur le défenseur. Je peux comprendre qu'on a cherché un premier choix, un deuxième choix, qu'il y a des clubs plus attractifs qui arrivent sur les dossiers comme Kim qui ira à Naples parce que Naples, évidemment, est notre force de frappe. Je peux comprendre qu'il y a la difficulté de mettre tout le monde d'accord. Un dossier comme Umtiti, il n'a pas fait l'unanimité à l'intérieur du club, donc c'est pas simple de prendre un joueur qui a eu des problèmes physiques. Je peux comprendre aussi ça. Mais s'est retrouvé aujourd'hui à penser à des prêts, ou à chercher un défenseur qui soit en plan D, E, F, c'est pas un bon choix. C'était un dossier qu'il fallait faire avant, et ça met en difficulté Bruno Genesio, parce que tu peux pas changer deux défenseurs titulaires pratiquement pour tout le début de la saison, parce qu'on me ramène par exemple en octobre apparemment. Omari, tu changes les gardiens aussi, tu te retrouves sans le cœur de la défense, tu mets en difficulté ton entraîneur quand c'est une saison où tu devais débuter bien pour toutes les raisons qu'on sait. Il y a une saison A et une saison B entre avant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde. Et Rennes va commencer dans la grosse difficulté sur des dossiers qui étaient clairs depuis des mois. Ouais, donc pour toi, depuis grosso modo, c'est depuis janvier que le problème existe, pas depuis que le mercato a commencé. Mais tout le monde le sait que c'est en janvier que Rennes allait commencer à chercher les défenseurs pour remplacer Aguerd. Au-delà de chercher un défenseur pour la saison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Santa Maria en défense centrale, qui a fait ce qu'il pouvait en tant que défenseur, qui est beaucoup meilleur en tant que milieu de terrain, en tant que défenseur. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec un défenseur, un jeune et peut-être les plans
des secours Sainte-Marie en défense. C'est pas comme ça que peut commencer la saison de Rennes pour le club qui est Rennes, pour les ambitions qui dit avoir Rennes depuis quelques années et pour l'avenir. Et la possibilité Badé, Romain Canuti. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec Simone. Alors je comprends ton agacement, mais moi ce que je me dis quand même sur cette idée de Rennes, c'est que ils ont tenté. Tu parles de Kim, ils ont tenté ce coup Kim. Et à la limite, j'ai envie de te dire, tente-le. Essaye de te bagarrer avec Naples. Si ça se fait pas, eh ben tu vas aller chercher une solution de facilité. Elle est en Ligue 1, elle existe. Alexander Djikou, mais Rennes avant. Alors c'est le 20 juillet. C'est le 20 juillet. Simone, la saison commence dans 15 jours. Je suis pas en train de te dire qu'il faut dresser une statue à Florian Maurice et que c'est exceptionnel et que c'est un homme qui a changé le visage de Rennes. Mais Rennes, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il se serait pas posé la question, il serait allé chercher Alexander Djikou, il se serait mis d'accord avec lui dès le mois d'avril et ils auraient pris un petit transfert de Ligue 1. Là, ils ont tenté de grandir. Ils ont tenté des coups qu'ils n'ont pas l'habitude de tenter. Samuel Umtiti, normalement, un mec qui fait Barcelone-Rennes, ça n'existe pas. Ils ont tenté ce truc-là, ils ont tenté Kim. Ça réussit pas. Donc du coup, on se retrouve, comme tu dis, sur des plans B, plan C, plan D. Mais il y a quelques années, le plan D aujourd'hui qui est Djikou, ça aurait été le plan A de Rennes il y a 2-3 ans. C'est parce qu'ils ont cette ambition un peu supérieure et que ils ont des moyens supérieurs aussi. Hein aussi, ils ont été capables de les mettre 25 millions sur Doku. Mais parce qu'ils ont bien vendu 18 millions sur Badé l'année dernière. Parce qu'ils ont su bien vendre Camavinga, parce qu'ils ont su bien vendre Rafinha en son temps. Enfin, peut-être aussi que la famille Pinot a un peu changé son attitude vis-à-vis du club. La famille Pinot a donné un emprunt différent. Elle a fait comprendre que c'était le moment de franchir un cap. Quand elle voit la capacité des dirigeants de Rennes à faire des ventes aussi, ils sont un peu plus rassurés que dans d'autres clubs où on arrive à moins bien vendre. Donc ça, je l'entends. Enfin, moi, j'ai pas cet argent-là, hein, je vous l'avoue. Mais voilà, je comprends le raisonnement aussi de la famille Pinot de changer un peu sa stratégie au vu des résultats quand tu vas chercher des Lovro-Mayer ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça a pas réussi. Mais c'est ça aussi le mercato. Je crois que c'est Kevin Nieto qui était passé pour dire ouais, Lens Toulouse, ça marche bien. Il a raison. On est tous là à dire que Lens Toulouse, ça marche bien. Mais c'est Rennes, ils sont dans cet état d'esprit-là. Ça ne paye pas, mais ils sont dans cet état d'esprit de tenter d'aller chercher ce Kim de Fenerbahçe. Bon, au final, il a joué un peu la montre et vraisemblablement il va à Naples. Ben ça valait le coup de le tenter. Ils ont un Loïc Badé. Romain, Kim ne suffisait pas déjà. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Il y avait une défense centrale complète à reformer. Parce que là, on parlera de Loïc Badé, et je crois beaucoup en Loïc Badé cette saison, par la force des choses, et parce qu'il a coûté quand même beaucoup d'argent l'année dernière, et je pense que ses qualités foot n'ont pas disparu en une saison. Mais par rapport à la saison dernière notamment, avec l'opération de Domari, il fallait reconstruire une défense centrale. Et là où moi je rejoins Simonet, et on en parlera tout à l'heure, parce que moi j'avais fait part de mon inquiétude sur l'Olympique de Marseille il y a 10 jours, je vais être cohérent avec Rennes qui est un concurrent aujourd'hui pour le top 4, top 5 et voire le podium l'année prochaine. Et c'est pas normal qu'on arrive le 20 juillet et que malgré le contexte, hein, t'as raison d'insister là-dessus, sur Kim, sur Umtiti, mais tu prenais l'exemple de Lens. Lens, quand ils ont vendu Klos, ils savaient que Klos allait partir à l'Olympique de Marseille ou qu'il allait partir du club. Ils ont pris Jimmy Cabot l'année dernière, la même chose. C'est-à-dire que c'est des clubs qui anticipent. Et Rennes doit normalement fonctionner de cette manière-là pour essayer de donner du temps à son coach. Et là, sur ce mercato-là, il y avait deux secteurs prioritaires à renforcer par rapport à l'année dernière. Et tu es bien placé pour le savoir. C'est ce qui a coûté à Rennes la Ligue des Champions l'an dernier. C'est le secteur des défenseurs centraux et le gardien. Le gardien, ils ont récupéré Mandanda. Mais ils n'ont pas fait la deuxième moitié du boulot et c'est quand même problématique. Ouais, mais tu prends un Djikou, tu le prends. Je trouve très optimiste tout sur Djikou parce moi, j'ai pas parlé de Djikou. Rennes, d'abord, il faut que Rennes le lâche. C'est une chose. Oui, un concurrent direct. Strasbourg le lâche. Oui, un concurrent direct. Strasbourg, là, veut vendre. On sait aussi la politique de Ligue 1. Il va falloir voir Strasbourg quand même parce que. On verra. Mais l'année dernière, si on regarde la saison qui vient de se passer. Oui, c'est un exemple. Tu peux aller chercher un autre défenseur de Ligue 1. Il y a Ligue 1, il y a les prêts de Kouassi, ils sont sur plusieurs dossiers. Voilà, des défenseurs, ils peuvent en trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que Rennes, il part pas de zéro. Là, il serait à l'année 1 du projet. On serait en position de se dire là. Mais ils ont quand même des certitudes avec ce qu'ils ont fait la saison dernière. Ils n'ont pas une défense centrale. Non, mais tu l'as dit. Si c'est juste un défenseur à aller chercher, bon, effectivement, ils ont le temps. Tu as 5 journées au mois d'août pendant les mercato ouverts. Déjà, je pense pas sur l'histoire. Du coup, si arrive, si arrive pas, je sais pas si Strasbourg va les vendre. Pendant, on pourrait dire,
pendant une période, comment dire, où on joue. Peut-être à la fin du mercato, peut-être les derniers jours, etc. Mais je suis d'accord avec toi que Rennes a les devoirs et l'ambition d'aller faire des coups, mais les coups, tu les fais quand tu es tranquille. C'est-à-dire, commence à prendre les défenseurs qu'il te faut, qu'il te fallait en janvier et qu'il t'est pas allé chercher parce que c'était trop cher et ça coûtait aussi ça, la qualification peut-être en Ligue des Champions. Le manque d'ambition d'aller chercher les défenseurs quand il fallait dans les moments de la saison importants que tu avais des manques. Commence à prendre les défenseurs à niveau des chiffres qui te manquent, une de plus. Et après, tu peux dire, OK, je cherche le grand défenseur, qui soit les joueurs qui doivent sortir du club. Demain, le Real Madrid dit, Nacho ne nous intéresse pas, Nacho veut aller jouer à Rennes, tu prends Nacho. Voilà. Ou tu décides que tu vas aller faire Chiellini parce qu'un année en plus, tu ne veux pas aller en États-Unis, tu le prends une année à Rennes parce que ça peut aller bien. Mais les grands coups, tu les fais quand tu as déjà sécurisé un peu. Et en plus, parlant des gardiens, j'ouvre en parenthèse, oui, ils ont pris Mandanda. Ils n'ont pas réussi encore à vendre ou à dégager Gomis. Il est là, avec une des plus hauts salaires du vestiaire. Ils ne savent pas qui les donner. Les agents, évidemment, cherchent à les trouver. Rennes ne se bouge pas parce que ce n'est pas leur problème. Tu te retrouves avec 4 gardiens, parce qu'il y a encore Romain Salin, 4 gardiens pour jouer et 2 défenseurs. Pour moi, soit ils ne savent pas bien comment faire une composition d'équipe, soit il y a un problème. Non, mais et Florent Maurice ne s'est toujours pas exprimé là-dessus. On a eu une interview il y a 15 jours où il avait expliqué par rapport à ses ambitions, par rapport à ses vœux. Mais c'est vrai que. Aujourd'hui, il faut être cohérent. Si Lyon tardait autant sur des secteurs prioritaires, je pense que beaucoup en parleraient. Genesio avait dit qu'il voulait avoir ses deux défenseurs tôt, et il a dit récemment, c'est pénible, mais je sais que ça va arriver. Bah oui, on espère que ça va arriver. Ça va arriver, mais quand? Quand? Et puis la Ligue Europa arrive rapidement, le début de championnat arrive rapidement. Aujourd'hui, bon, il y a Loïc Badé qui a fait plutôt un bon match de prépa hier contre Caen, il me semble. Il y a le petit Bélossian qui a 17 ans, qui est assez intéressant. Mais pour tenir toute une saison. Ça va être très très compliqué. Donc il va falloir vraiment que Rennes commence à s'empresser et surtout cible des vraies valeurs sûres, parce qu'il faut pas oublier que Naïef Aguerd l'année dernière, c'était l'un des meilleurs joueurs de cette équipe là, c'était peut-être le joueur le plus important, et qu'à chaque fois qu'il n'était pas là, le Rennes était en grande difficulté. Et je vais pas prendre le métier de directeur sportif à Florent Maurice, mais parce non, qu'il a, mais... il a toutes les compétences pour, mais ça commence à urger. Sébastien nous a appelé au 32-16, supporter Rennes. Salut Sébastien, comment ça va? Bonsoir, mais moi ça va. Ça va? Toi ça va, mais est-ce que ton club va bien? Est-ce que tu es inquiet pour cette défense centrale? Moi je suis un peu inquiet parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, parce que je vous écoute depuis un petit moment, là, on aurait dû anticiper déjà les départs et surtout anticiper déjà le mercato du mercato d'hiver dernier pour essayer de trouver des joueurs au préalable qui pourrait être suppléant en cas de blessure. Bon, là, on a eu de la chance que le petit Omari est arrivé sur un plateau et qui a fait une bonne saison et qui nous a permis l'année dernière de pouvoir stabiliser un petit peu la charnière centrale. Mais là, on s'aperçoit quand même qu'on a des grosses difficultés et que le mercato, on a essayé le coup avec Kim pendant des semaines et des semaines. Et puis, on s'aperçoit que malheureusement, ça s'enlise et qu'il y a de grandes chances qu'il ne vienne pas à Rennes. Et qu'on tourne tout de suite le dos vers un autre joueur qui est Morato. Et il aurait peut-être fallu essayer de trouver un défenseur central de Ligue 1 et qui, pour au préalable, qui aurait peut-être pu nous dépanner. Bon, là, on relance Loïc Badé. Bon, hier soir, à première vue, il a fait un bon match. Genesio était assez content de lui. Mais bon, c'est vrai que moi, ça m'inquiète un petit peu. Et puis, ce qui m'inquiète ici également aussi, c'est que au niveau des départs, pour l'instant, rien n'est définitif, et que j'espère qu'on va quand même conserver Bourigeaud et Terry. Sébastien, on a beaucoup entendu parler d'Alexander Djiku autour de cette table. C'était un exemple qui avait été donné. Toi, tu parles de faire venir un défenseur de Ligue 1. Qui tu aimerais voir arriver dans la Ligue 1, justement? On a Tchalé Tatsar, hein, si ça t'intéresse. Le 11, c'est le Marseillais. C'est un sol d'aujourd'hui, Tchalé Tatsar. Oui. Après, c'est vrai que du coup, de Strasbourg, ça serait peut-être une bonne pioche, je pense. Maintenant, il est vrai que Strasbourg va pas le laisser partir comme ça, et que Rennes, il va falloir que s'il trouve pas de solution extérieure, il va falloir qu'il mette de l'argent sur la table pour pouvoir faire venir ce style de joueur. Donc, il est vrai que nous, on pensait qu'on allait avoir une bonne charnière centrale pour commencer le championnat, et le championnat va arriver très vite maintenant. Et on s'aperçoit tout compte fait qu'on est toujours en train d'essayer de trouver un joueur, et ça, c'est au préalable, ça va pas
pas bien, le championnat n'a pas bien commencé pour nous si jamais on trouve pas une stabilité au niveau défensif, quoi. Et on a beau avoir des jeunes comme Bélocian qui peuvent tellement intervenir sur quelques matchs, peut-être que ça pourrait être une solution. Mais c'est pas mal Bélocian, c'est quand même très intéressant. Il est encore jeune, quoi. Oui, il a 17 ans, c'est vrai qu'il a 17 ans. Après, tu parlais d'Omari. Ah, Omari Biss, voilà. Sébastien, tu parlais d'Omari. Bon, il était un peu plus vieux. Pourquoi tu dis ça, Walid, alors que quand tu écoutes, tu regardes Leipzig, Salzbourg, et qui lancent des jeunes? Bien sûr, j'allais y venir. C'est-à-dire que quand tu regardes en Bundesliga des équipes comme Gladbach, des équipes comme Leipzig qui ont lancé Konaté très tôt, qui ont lancé Upamecano très tôt, Rennes aussi peut lancer des jeunes joueurs et des jeunes défenseurs. Maintenant, c'était pas prévu de base. Faut-il pouvoir les encadrer un peu. Exactement, parce que sur RMC Live, on nous propose Abdou Diallo. Oui, après, je pense qu'Abdou Diallo, il vise un peu plus haut que Rennes. Sans manquer de respect à Rennes, on parlait du Napoli. Peut-être que Diallo, il veut quitter le PSG pour aller au-dessus. Finalement, c'est Kylian Mbappé, pourquoi pas Abdou Diallo à Rennes. Oui, bien sûr, mais faudra voir les volontés du joueur. C'est pas pour manquer de respect à Rennes, mais il va falloir les volontés. Vous essayez de les prêter avec une option derrière. Je sais pas si Rennes peut assumer les prix demandés par Paris. Mais juste pour rester sur Bélocian très rapidement, sur la politique des jeunes, on a Matistel qui est de la même génération, qui va partir au Bayern Munich. On a eu Kamavinga qui à 16 ans et demi a été lancé au Stade Rennais à un poste quand même où il faut beaucoup de personnalité au milieu de terrain. Moi, c'est un peu plus simple. Bien sûr, mais ça peut être aussi une possibilité. Le problème, c'est que un mec comme Bélocian aurait pu être intégré avec un leader à côté. Le problème, c'est qu'il va être lancé avec Loïc Badé, qui lui aussi déjà doit se relancer. Tu sais que ce ne sera pas les titulaires de la saison et tu dois les travailler. C'est-à-dire, les mécanismes défensifs, c'est les choses les plus difficiles à travailler, sur lesquelles tu as besoin de plus de temps, surtout quand arrive une nouvelle charnière entière. Tu dois trouver le tempo avec les autres, les coéquipiers, avec les gardiennes. Et on est au 20 juillet et on est à zéro joueur arrivé quand tu as les deux qui de. Non, mais Simone, moi je t'ai dit que j'étais d'accord avec toi. Donc non, mais Romain, pour conclure. Ouais, je profitais aussi d'avoir Sébastien avec nous, qui est supporter de Rennes, pour avoir un peu son avis aussi sur le. Parce qu'on l'a évoqué, c'est Walid qui en a parlé, qui a dit, ça serait un peu le feu dans un autre club dans cette situation-là. Ouais. Quand on est supporter de Rennes, est-ce qu'on se dit, c'est une chance que le club soit un peu tempéré dans ces moments-là et raisonné, ou on aimerait que ça soit un peu plus de folie, un peu plus embrasé. Eh ben Sébastien, tu restes avec nous, on va te donner la possibilité de répondre à Romain Canutti sur cette notion de pression, c'est dans un tout petit instant, on revient dans l'after. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat and RV. Even help with homeowners or renters coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance, and more, and Geico is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today.